Et donc salut à tous, c'est Pokégraph38 pour ce nouvel épisode du guide de modding d'Oblivion. Donc on va tout de suite reprendre là où ça a été arrêté, donc c'est-à-dire ici. Et on en a été à faire maintenant tout ce qui est retexture diverses et variées. Et on commence tout de suite par Mesh Improvement Project. Donc c'est le même principe que SMIM pour Skyrim. Donc on prend juste le fichier principal, Mesh Improvement Project. Ensuite, on va télécharger Iris Soul Gems, qui est une retexture pour les gemmes spirituelles. Donc là encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier, on ne peut pas se planter. Puis une fois que c'est fait, on va télécharger ARS Silver and Gold Clutter. Donc là, il y a plusieurs fichiers à télécharger, donc dans l'ordre, on va chercher Silver Clutter. Et ensuite, on va chercher Gold Clutter. Une fois que c'est fait, on va installer le mode Better Hope. Donc là, on prend juste le fichier principal, donc celui appelé Better Hopes. Ensuite, on va chercher Improved Skulls and Bones and Ironwork. Donc là, encore une fois, on prend le fichier principal non au mode. Du coup, Improved Skulls and Bones and Ironwork, le premier. Ensuite, on va sur TES All. On va chercher la retexture pour les crânes. Donc là, onglet téléchargement, on télécharge le fichier. Ensuite, une retexture de tout ce qui est la décoration pour les donjons. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, on va télécharger une retexture pour les barils. Donc là, encore une fois, onglet téléchargement, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, on va chercher le mode Shiny Septims Oblivion. Donc là, encore une fois, onglet Files. On prend le fichier principal appelé Shiny Septims Oblivion. Les ressources vous serviront à rien si vous voulez créer votre propre mode à partir de ce mode-là en fait. Ensuite, on va chercher Skeleton Key Retexture. Donc là, pareil, on prend le fichier principal, donc ça veut dire Skeleton Key Retexture. Ensuite, on va chercher Kaizit's Animated Ingredients. Donc là, il y a plusieurs fichiers à télécharger, donc dans l'ordre, le fichier principal, Kaizit's Animated Ingredients. Ensuite, on va chercher la version 1.1. Et en dernier, on va chercher le fixe qui va corriger la version 1.1. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vérifie juste voilà, que l'enregistrement est bien repris. On va chercher Kaizit's Animated Deadwake Ingredients. Donc, là encore, onglet Files, on a plusieurs fichiers à y chercher. Donc, le premier qui est le fichier principal, Kaizit's Animated Deadwake Ingredients. Puis, on va chercher le fixe. Ensuite, on va chercher la retexturation pour les boules de cristal. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Une fois que c'est fait, on va chercher les outils pour les vignes. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, la retexturation de tout ce qui est les outils de forgeage. Donc encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, tout ce qui est les outils de ferme. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, on va chercher un mode Strada Citta Imperial. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Puis on va chercher Improved Fire and Flame, qui est une retexturation des effets de flamme. Donc là, on prend le fichier principal appelé Improved Fire and Flames. Ensuite, on va chercher un mode Improved Light Beam, qui va améliorer les puits de lumière. Du coup, on va chercher le fichier principal, Improved Light Beam. Il n'y a qu'à ce fichier. Ensuite, le mode Nirnroot Retexture. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'à ce fichier. Puis, acheter Cobwebs. Là, encore une fois, il n'y a qu'à ce fichier. Maintenant, on va chercher la retexturation de tout ce qui est le bazar de classe pauvre. Donc l'onglet téléchargement, il se trouve ici. Ça nous envoie sur un lien Mediafire en télécharge. Ensuite, retexturation des décorations pour les classes moyennes. Donc là, l'onglet téléchargement, il se trouve ici, où c'est marqué Download. On clique dessus, ça nous envoie sur un lien Mediafire. On télécharge. Ensuite, le patch pour le mode qu'on vient de télécharger précédemment. Donc, du coup, encore une fois, on télécharge. Ça nous envoie sur un lien Mediafire.
Ensuite, retexturation de tout ce qui est la décoration pour les classes hautes. Donc là, encore une fois, on télécharge. Ça nous aura servi à Mediafire. Ensuite, le patch du mode précédent. Du coup, encore une fois, download Mediafire. Ensuite, retexturation des décorations de classe haute, mais cette fois, tout ce qui touche pas ce que les modes précédents. Enfin, qui touche parce que les modes précédents modifient déjà. Du coup, là encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier, on le télécharge. Ensuite, retexturation des tapis. Donc là encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, retexturation des amulettes, la même, il n'y a qu'un seul fichier. Retexturation des anneaux, même combat, il n'y a qu'un seul fichier. Ensuite, on va sur la confrérie, on télécharge. Enseigne des auberges retexturées. Donc, Retextured Insigns. Bon, désolé ici, je vais un peu vite, mais bon, vu qu'il y en a pas mal, je préfère pas trop de prendre de vidéos sur le téléchargement et puis s'en passer sur l'installation des mods. Donc, du coup, là, encore une fois, plus télécharger le mod. Ensuite, on va chercher l'amélioration des panneaux indicateurs. Donc, Retextured Road Signs plus Rework Post. Donc, là, encore une fois, télécharger le mod. Puis, on va chercher une retexturation pour les couvertures des livres. Donc, encore une fois, téléchargement, ça nous aura sur un Mediafire. Ensuite, Alluring Wine Bottle with Royal Glass. Encore une fois, il n'y a qu'un seul fichier, on le télécharge. Puis on retourne sur la confrérie, on va chercher Amélioration des potions, Retextured Potions. Donc là, encore une fois, télécharger le mode. Ensuite, on va chercher le mode Painter's Touch, qui va modifier les peintures. Donc là, on va prendre la version 1024 et non pas 512. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les textures 1K, non pas les textures à moitié vanilla. Donc, du coup, je répète, on télécharge bien le fichier appelé Painter's Touch 1024. Ensuite, on va chercher Painting Variation. Là, on prend que le fichier principal, Painting Variation 2.0. Ensuite, on va chercher le mode VK7 Oblivion Mage Kill Clutter. Donc encore une fois, onglet Files, Oblivion Mage Kill Clutter, Manual Download. Et du coup, une fois que c'est fait, on va dans MO2, on apporte tout ça, donc moi je vais le faire, là, tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, une fois que c'est fait, hop, on sélectionne tout, pensez bien à renommer vos fichiers, comme on fait d'habitude. Donc ensuite, onglet téléchargement, on sélectionne tout, on fait tout glisser dedans. Voilà, c'est fait. Du coup, on crée notre séparateur. On va appeler texture diverse. Voilà. Et maintenant, on installe les trucs d'ordre, donc ça veut dire Mesh Improvement Project en premier. Donc là, on sélectionne que la première option, donc ça veut dire Core, valider. Ensuite, IRS All Gems. Puis, Silver Clutter. Ensuite, les Corners. Les cordes. Les crânes, les os et tout ce qui est en fer. Les crânes à proprement parler. La décoration des donjons, les barils, les septimes. Là, il y a un truc. Je recommence. Là, il y a un petit truc à faire. Du coup, on va double-cliquer sur Shiny Septimes. Et on a deux ESP. Sauf qu'ils ne sont pas compatibles entre eux. Donc, du coup, il faut en masquer un des deux. Donc, moi, je vais masquer Shiny Septimes Trajanus. Hop, armé. Ensuite. Texture de la clé squelette, les ingrédients, la version 1.1, le fixe de la version 1.1, les ingrédients d'Hydric, le fixe, les boules de cristal, outils de vigne, outils de forgeron, outils de ferme, retexture des soldes de la cité impériale, retexture des effets de flamme, retexture des puits de lumière. Retexture de la dernière route. Retexture des toiles d'araignée. Décoration pauvre. Décoration classe moyenne. Donc là, on désigne le dossier d'attache. Je vous apprends plus à le faire. Normalement, vous savez le faire de tellement qu'on en a fait déjà. Entre OBS et les autres mods. Maintenant, vous êtes expert là-dedans.
Ensuite, le patch. Décoration des classes hautes. Le patch. Tout ce qui touche pas aux textures qu'on a déjà fait. Les tapis. Les amulettes. Les anneaux. L'enseigne de l'auberge. Les panneaux indicateurs. Du coup, vu que c'est un faux mode, on pense bien à prendre le nom renommé. Et on ne va pas le faire. Donc là, vous choisissez l'option que vous voulez. Moi, je vais prendre ces ornements. Pareil pour les panneaux des villages. Vous prenez l'option que vous voulez. Donc là, moi, je vais prendre le gravé. Donc là, ça vous laisse sélectionner automatiquement vos patchs. Et on fait installer. Ensuite, les couvertures des livres. Les bouteilles de vin. Les potions. Donc là encore, c'est un faux mode. On prend le nom personnalisé. Donc là, vous choisissez l'option que vous voulez. Moi, je prends contenu visqueux. Hop. Les peintures. Encore les peintures. Et la déco de la guilde des mages. Du coup, on peut ensuite supprimer tout ça. Là, c'est fait. Du coup, ensuite, on peut tout sélectionner. On active tout le bazar. Hop. On remonte ça d'une catégorie comme on fait d'habitude. Voilà. Et maintenant, on va aller dans tous les modes russes et virer leur ennemi russe comme on fait d'habitude pour éviter les faux conflits. Donc les donjons, les barils. Donc ça c'est juste des screens, on peut les virer aussi. Voilà. La différence entre Septimus et Trajanus. Donc Septimus, Trajanus. Ah, vous choisissez la version que vous voulez. Les boules de cristal. Les outils de vigne. Les outils de forgeron. Les outils de ferme. Là, il n'y a rien à changer, on est d'accord. Les tapis. Non. Je suis sur un autre mode qui a des trucs à modifier. Et c'est tout. Donc on peut faire un petit refresh. Sauf que ça l'a mal fait, super. Ouais bon, tant pis. Du coup là on vérifie bien que nos modes, enfin que nos OSP soient tous activés. Ce qui est le cas, donc on peut passer un coup de boss. Run boss, normalement il va nous dire. Comme quoi, il y a un plugin qu'il n'arrive pas à reconnaître. Voilà. Et qui est potionreplacer.esp. Du coup, là, edit user rule. Moi, je l'avais déjà fait, donc du coup, je sais quoi remplacer. Là, cette fois, du coup, potionreplacer.esp. Sort item before. Et moi, je vais chercher bottle pour aller plus vite. Ok, super. Voilà, Alluring Wine Bottles, ESP, Create New Rules, ça normalement vous savez le faire aussi, Save and Exit, hop, on relance boss encore un coup, et là le problème est réglé. Donc du coup, il y a encore les filtres qui ont sauté, ça je sais pas pourquoi ça me le fait. Du coup là normalement on n'a pas de problème, donc on peut fermer ça, on peut fermer ça. Vérifie que ça s'est bien trié correctement. Et on remet un coup de boss. Donc là, on n'a pas trop besoin de passer un coup de patch it patch. Donc on peut directement lancer le jeu pour vérifier si tout fonctionne.
Donc moi je vais me rendre dans la même run que d'habitude. Ok, t'es derrière moi si ça me défile. Ok, il m'attaque avec une poêle. Pourquoi pas? Donc on va aller voir les septimes. Rappelez bien. Ouais, les septimes. Normalement, on devrait aussi y avoir le chef. Ou pas. Il a décidé de ne pas apparaître. Ah bah si, le voilà. Voilà. Là, ça lui règle son problème. L'archer aussi. Ah, lui aussi. Ah, donc là on voit bien que la tronche a bien changé. Du coup moi, pour éviter de faire un aller-retour, je vais juste recharger cette partie. Hop, me téléporter à un endroit où on va mieux voir certaines autres textures. Par exemple, Fire Edwainen, il est où? La pluie qui s'est mise d'un coup à tomber. Oui. Voilà la retexturation de tout ce qui est les livres. Les boules de cristal. Je suis frère Joffre. Donc Joffre avec sa nouvelle texture. Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin avant l'ennemi. Je vous salue. Donc les bouteilles de vin. Bien, et au coup, moi, ce que je vais faire, et que je vais arrêter cet épisode-là. Du coup, la prochaine fois, on verra tout ce qui est changement d'interface. Donc, à la prochaine. Salut à tous!